en 1947 à Kimbia. Mamadou Aliou Bari, alias Maître Bari, était auteur, compositeur, saxophoniste virtueuse. Enseignant de profession, devenu musicien par passion, Maître Bari reçoit ses premières leçons musicales auprès de son père, Mamadou Ouri Bari, accordéoniste et batteur de l'orchestre Le Pavillon Bleu de Kimbia dans les années 1940. Il découvre son instrument de prédilection après s'être révélé dans son quartier d'enfance comme meilleur percussionniste. Et c'est de là que tout est parti. Quelques années après, Maître Bari a été initié à la théorie musicale auprès d'un professeur nord-coréen. Saxophoniste de talent, Maître Bari a été chef d'orchestre de la formation emblématique du Kaloum Star de Conakry, de Gombo Jazz, des Amazones de Guinée et surtout de l'Afro Groove. Considéré comme le digne héritier de Momo Wandel Souma, Maître Bari est devenu par la suite une figure incontournable sur la scène guinéenne. Il a accompagné notamment de nombreux groupes du pays, faisant valoir ainsi ses talents de saxophoniste sur les scènes internationales. Artiste aux multiples casquettes, arrangeur, chef d'orchestre, percussionniste, flûtiste et surtout saxophoniste virtuose, fervent connaisseur de la culture guinéenne dans toute sa diversité, Maître Bari a mis sur le marché des disques plusieurs albums dont Nio, sorti en 2009. En France, la famille a exigé une autopsie pour connaître la cause de sa mort. C'est ce que notamment nous apprend l'homme de culture Justin Morel Jr. sur son compte Twitter. Après donc cette autopsie, le corps arrivera pour inhumation à Conakry, précise le tweet de JMJ. Le grand saxophoniste part en laissant une épouse, 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. La finale de cette première édition du tournoi doté du trophée Mohamed Haoui, officier chargé des opérations régionales Rome Nord, a débuté par la rencontre des équipes des vétérans de Kamsar et celle de Boké, dans le but de renforcer des liens d'amitié et de fraternité entre les populations de la commune urbaine et la ville portuaire de Kamsar. À l'issue des 90 minutes de jeu, c'est la formation Étoile Kakandé qui s'est inclinée face à celle de Tiko de Tamakené, lors des séances de tir au but. 20 ans, Kamsar et Boké, il n'y avait pas d'entente sur le plan de football. Mais aujourd'hui, à travers ce tournoi que nous avons organisé, ça a permis à Kamsar de faire un trait d'union aujourd'hui entre les deux collectivités qui ne s'entendaient pas sportivement. Honoré et séduit par la qualité de l'organisation, le donateur, lui-même ancien sportif, rappelle qu'un tel événement lui a manqué depuis des décennies. C'est un grand plaisir pour moi de revoir. Ça fait des années que j'ai quitté ce stade et parrainer ce tournoi, c'est une première. Et cette organisation va se doubler, on va faire beaucoup d'efforts pour que Boké et Kamsar partent ensemble. L'esprit d'équipe et le fair play ont caractérisé ce tournoi qui a mobilisé 16 équipes en élimination directe. Invité pour la circonstance, le président du parti ARP, Alliance pour le Renouveau et le Progrès, se réjouit du comportement des joueurs dans le terrain. Il faut noter que le plus grand gagnant de ce tournoi, c'est le public de Boké, et qui a aussi s'est mobilisé très fortement pour le rayonnement de la jeunesse de Boké dans son ensemble. Et je demande à tous les fils de Boké de continuer à se donner la main pour que notre préfecture puisse se développer davantage. Tiko de Tamakené remporte ainsi pour la première fois un trophée au stade du 1er mai de Boké. L'équipe reçoit une enveloppe de 3 millions et 19 ballons. Je remercie tous les publics de Tamakené qui m'ont accompagné dans ce combat que nous avons réussi.